Salut les amis, comment que c'est? C'est Pedro de Lorraine Offroad. Donc aujourd'hui on est en route, on est en voiture, on est avec le membre de la team, le petit William. On est en route pour la bière aventure. Donc c'était juste pour vous faire un petit coucou et puis bah restez connectés. On va essayer de filmer en mode vlog tout le long du week-end. Aujourd'hui, c'est le samedi, c'est prêt pour le départ. 900S, le Grizzly derrière moi, un autre 700 Raptor qui est. Hop. Il est où? Il est là. Donc là, on est au bivouac. On fait un petit feu tranquillou. Hop, on a mis les trois tentes 24 MX. On est en place. 700 Raptor qui attend des pièces là, prêt à partir. Un problème avec les triangles. Bon les gars, la team 700 Raptor France. Salut les mecs, Lorraine Offroad, on s'est rejoint, on est là, il fait beau et on va envoyer du on gros gaz. On représente le groupe. Yamaha, t'as vu? Eh, t'as vu gros? Tout le temps. Il y a que ça. Il y a 400. Bon, 700 Raptor, on attend les pièces là. On attend le patron. Je sais pas ce qu'il fait. Oui, le patron surtout. T'as vu, il est bien équipé celui-là. Amortisseur OMC. C'est les GP4. Arbre de roue Art. Plus 10 cm. Triangle avant. Long travel. De chez Liger. Oh, le bel accent. Ouais, c'est beau ça. On termine, on attend les bacs de triangle là. Ah, c'est de la belle mécanique ça. Petite nerf bar XRW. Ça me rappelle des bons souvenirs ça. Une vraie bête. Pas mal le kit déco là. Et il brille le dragon. Il brille le dragon. Et les derniers là, les Razer XC en 8 plis. Ligne d'origine, dommage. Ah, bientôt, petite ligne FMF, ça devrait le faire. Hein. Je pense ligne FMF avec cartouche d'OMA. Ah. Je sais pas, en fait, je sais pas, faut que je vois les perfs, ce que ça donne, le son. Parce que le son, je suis plus Big Gun ou Yoshimura. Après, niveau perf, c'est pas la même. C'est sûr. Tu fais quoi de beau sur 700? On va détendre un peu la chaîne car on voit que un petit peu beaucoup rigide. Un peu trop tendu. Comme ton string, hein? J'y ai pensé. Je me suis dit, la sorte. Ah, la blague à la con, t'as. Salut les amis. Donc, nous voilà ici à la bière. Et bah, magnifique, le temps nickel. On est venu représenter la team 700 Raptor France. Donc, on a rejoint Lorraine Offroad. Donc, bon, bah, c'est pas la première, hein. C'est déjà la troisième, je crois, qu'on fait ensemble. Ouais, troisième, hein. Donc, bah, bonne ambiance, on a trouvé notre organisation, maintenant c'est fusionnel presque. Donc c'est sympa là. On va savoir ce que vous faites ensemble les soirs. Hein, qu'est-ce qu'il dit lui? Ah là 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 là. Donc, oh, il boit son petit up, oh, le petit zizi, oh. Non, c'est de la bonne ambiance comme on aime retrouver, on rencontre des gens. Hier on a rencontré Aurélien Cesson, on se voit sur Facebook, c'est vrai que là on se voit en vrai, c'est mieux. On vient de rencontrer Iliès, Raison Parisienne, Moine Macon, Lorraine Offroad de Lorraine. Il y a Jules Martin qui arrive, Julien Martin de Poitiers. Donc c'est ça l'esprit, rencontre, partage. Et voilà quoi, on va prendre du plaisir, on va rouler. Et gaz gros, comme on dit chez Lorraine Offroad. Allez, salut les amis. Tu vois, t'as le parc fermé là-haut. On va bientôt y aller. T'es classé par numéro. Beaucoup de motos. Puis SSV là-haut et on va se mettre vers le fond, on est dans les 680. Ça y est, on est au parc fermé là. On est en place. Al-Kalam, RZR. Allez, venez nous revoir.
Bon, t'en es où là? Bah, je suis en train de monter à mon premier côté. Ouais. Ça avance, change des. Il est quelle heure là? Il est midi et demi, je crois. Voilà, je pars dans 3 heures. Ah non, dans 2 heures et demie, même pas. Arrêterai le whisky là. Et on commence le whisky, ouais. J'ai oublié de dire. Bon, la moitié du quad est démontée. En train de changer les bagues. Et par terre, il y a le reste inférieur. Hop. Le stand mécanique. Stand mécanique, petit compresseur improvisé. Le groupe qui tourne. On a le pyromane là-haut, là. Il fout le feu à tout. Fait le feu à tout. Ça y est, ça part là. Barbecue démarré à l'essence. Nickel ça. Ça fume un peu noir, mais. Bon, là, c'est la pluie. Ça pleut. Des grosses gouttes. Au niveau de la gueule, j'en ai mangé plein. Les membres de la team qui sont derrière. Regarde, on est pas bien là. Descendu. On est en bas, dans la vallée de la Truyère, je crois. C'est que du bonheur. Tu vois, là, encore plein de monde derrière. Très bien là. Ça roule bien, super. Voilà, team, comment que c'est? Alors le quad refait, ça marche nickel ou quoi? Ouais, lecteur, on est en troisième et c'est tout. Aïe aïe aïe, cassé. Ah, la piste qui a cassé. Aïe aïe aïe. Et ça passe pas les vitesses là. Ça passe pas les vitesses. Ah, c'est juste les crocs. Aïe aïe aïe, c'est dommage.
arrêté. Il pleut plus. La grosse misère, vraiment la grosse misère. J'avais enlevé mes manches là, comme tu vois là. Et la galère, la vraie galère. Je suis trempé à mort. J'ai une marque du masque sur le nez là. C'est une catastrophe. On s'est mangé une averse. C'était un orage. Obligé de couper la GoPro, un peu dégoûté. J'ai réussi à faire une petite vue drone. Et tu vois, regarde, on a une belle vue là. Le soleil commence à revenir. J'espère qu'on va pouvoir sécher gentiment. Oh, tiens. Ah, la vraie galère. La vraie galère. Mais bon, c'est des conditions en Lorraine. On a l'habitude des conditions là. Donc finalement, ça va, c'est pas si mal que ça. Église, donc deuxième jour pour la petite pause ravitaillement. Donc là il commence à pleuvoir, c'est un peu la galère, mais bon, le terrain il est vraiment au top, pas de poussière, la boue juste ce qu'il faut, c'est vraiment nickel. Donc là on va aller se restaurer gentiment, prendre un petit encas avant de repartir. Il reste à peu près une heure de trajet, et puis voilà, ça va le faire. Bon, allez, gaz. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Donc cette vidéo, elle est un peu différente des autres. Comme tu as vu, c'est en mode vlog, totale immersion. J'ai voulu te montrer un petit peu comment ça se passait, les dessous de la bière aventure, donc en mode total vlog. Donc au montage, je me suis aperçu qu'il y a des choses que j'aurais dû rajouter, d'autres choses enlever. Bon bref, j'ai préféré te laisser comme ça. Juste entre parenthèses, donc en fait, le 700 Raptor que j'ai filmé beaucoup de fois, en fait, il est arrivé quasiment presque tout démonté. Il est arrivé donc dans la nuit du vendredi au samedi, quasiment tout dépoilé. Et en fait, il attendait donc le patron de chez ATV Moto pour avoir les pièces. Donc en fait, on a tous filé un coup de main. Pour ma part, c'était en début de matinée, après d'autres personnes qui sont arrivées, pour qu'il puisse rouler. Malheureusement pour lui, comme tu as vu après, il a été embêté avec la vis du sélecteur de vitesse et il a fait donc la rando de Bire Aventure, le parcours complet en troisième vitesse. Donc chapeau à lui. Bref, j'espère que ça t'a plu, le concept un peu vlog. Je vais essayer de développer un peu plus de vlog sur les prochaines vidéos. Donc on va essayer de peaufiner un petit peu tout ça. Comme d'habitude, lâche un petit pouce bleu, un commentaire, abonne-toi si c'est pas fait, hein, ça fait toujours plaisir. Et puis sur ce, comme on dit chez moi, allez gaz gros.